steak! Blé d'Inde! Patate! Hey, donne-moi ça! Avec le mot magique! Donne-moi ça! Donne-moi ça! Seigneur! Alors oui, aujourd'hui, on va jouer à Donne-moi ça, le nouveau de Blue Orange, qui est le petit cousin de Taco, Chat, Poulet, Poutine, Pizza. On a beaucoup aimé. Oui, qu'on a adoré. Et ça va être dans la même veine, c'est-à-dire un jeu de party chaotique au lancement de dés incroyable. Et le but du jeu, ce sera être la première personne qui va remplir sa feuille de 50 patates. Ouh, okay. Mais c'est pas si facile que ça à cause de à cause ce dé-là. À cause du dé, puis le dé qui a 6 faces, bien entendu, c'est un dé à 6 faces. Et ben, vous connaissez ce signe, j'imagine, qui est un crayon. Alors, oui. Lorsqu'on roule le crayon, eh bien, on va pouvoir commencer à inscrire les chiffres de 1 à 50 le plus rapidement possible en disant, bien sûr, 1, le 2, rouler pour 3. Commencer? Oui. Non, la première personne qui commence, c'est la première personne qui a le crayon. Exactement. Après ça, on va les voler. Oh, Seigneur, mais on rajoute tout le temps des couches! Oui. Le crayon, on s'échange le crayon. Oui. Les tapes. C'est quoi ça? On se le pique, oui, on s'échange le crayon. Tape là-dedans! Tape là-dedans! Tout le monde s'est entraîné, sauf la personne qui est en train d'écrire. Oui, elle a continué à gueuler. Elle continue de gueuler. Les petites flèches? En parlant de gueuler, ça a on échange nos feuilles! Parce que non seulement, là, vous pensez que vous êtes bon, mais à un moment donné, vous allez échanger vos feuilles. Vous pensez que vous êtes pas bon. Ouais, c'est ça, genre, j'ai juste mis un. Je l'ai passé. Après ça, c'est quoi? Ça, c'est point à point. On va faire point, des points. Voilà. On a puré. Ça, c'est très drôle parce qu'on va essayer. On va essayer vraiment de venir déconcentrer la personne qui est inscrite en faisant le plus de bruit possible et en criant purée. Et les high-five, on les a dit. J'imagine qu'on s'en est même tout ça. C'est très, très simple. C'est un jeu qui va être hyper rapide. Il faut que ça soit chaotique. Ouais. On va être chaotique, mais soyez là à la maison aussi. Alors, qui commence? Mais juste avant, ouais. Il y a une twist aujourd'hui. Ah oui, hey! Oh, Seigneur! Oui, mesdames et messieurs, on a rajouté une twist. La personne qui gagnera choisira parmi les 3 perdants et perdantes qui devra mettre le costume de patate. Parce que c'est pas vrai, là, qu'il y ait une belle patate de même et qu'on n'aura pas trouvé un costume, là. Que tout le monde qui dise qu'on porte trop de costumes aille en enfer. Oh! C'est aujourd'hui que ça arrive. Moi, je trouve qu'on porte trop de costumes, Raph. Non, aujourd'hui, on va aller en enfer. Et on va aller livrer des patates aux gens de mon quartier. Parce qu'à un moment donné, il faut faire aussi des bonnes actions. Surtout dans ma région. Ouais. Avoir la patate populaire. Ben oui. Donner la patate au suivant. Oui, exact. Oui. OK, ben c'est parfait. Okay. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oh, non! Avec la patate qui pompe, moi je dis... Ah, oui! Oui, papa! OK, fait que c'est qui commence avec le crayon? Là, la dernière fois. La personne qui a mangé des patates en dernier, c'est... Hey, moi, je suis pleine de patates! Oh, c'est vrai, OK, j'ai mangé des frites! Un, deux, trois, patates! Un! Crayon! Ah! Un! Un crayon! Point à point! J'ai mal! Crayon!
vas-y, vas-y! Sur la boîte, la game a duré 10 minutes et c'est toujours écrit ici « Benjamin va gagner ». Alors, c'est super. T'as pas écrit ça, y a pas ça sur vos boîtes. Il me semble que c'était écrit ça. Et le pire, c'est que j'ai vraiment eu le crayon pas si souvent dans la game. Non, vraiment pas si souvent dans la game. Mais ça a été une joute en garde pirate au niveau des crayons. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est toute mon écriture. Je ne sais pas c'est qui a écrit ici, mais ça a fait 11, 12, 13, 11, 12, 14, 13, 14, 15, 16, 17. À ma défense, c'est moi qui ai écrit 12, 13, 14, mais il y avait un 11 ici. Ouais. Oui. Voilà, voilà. C'est 11 qui me fourvoyait ici, là. Puis aussi ici, là. Oui, mais attends. Ça a pris là... du temps de faire que ça, c'est un 5, ça, c'est un 6. Ça a vraiment. Okay. En même out, temps, je me faisais retirer le crayon à longueur de temps. Je pouvais pas effénir. C'était pas un 11, c'était un 14 qui commençait. C'est vrai, c'est vrai. On retire les crayons rapidement. Purée. Veux pas. Faire en sorte aussi que la pointe vient à l'iceberg. Dessiner, c'est-à-dire comme patiner. Hein? Ouais. Alors, mais celui-là, vraiment, la fiche que j'ai complétée avec un 50 est vraiment très lisible. Alors, je pense que... En tant que grand la gagnant... La firme Doyon va dire bravo. En tant que grand gagnant, moi, j'avais un petit plus hein, quand même. J'avais à choisir qui d'entre vous allait incarner une patate au coin de la rue de Raff et qui va distribuer des patates, bien sûr, aux citoyens. Bon, Anne-Cat est en patate. Ouais. On dirait que ça se pourrait pas. Je pourrais pas mettre un costume de patate à une femme enceinte. Je suis déjà une patate au four. Raph, en tant que patate, ça se pourrait, tu sais, on dirait. Mais plus comme une patate douce. Moi, Raph, je le vois comme une petite patate surtout, douce. Surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est dans son quartier, donc c'est pour lui. Tu sais, c'est formidable, mais les gens le reconnaîtraient. Carianne. Je voulais tellement pas perdre, puis que ce soit toi qui gagne. C'est le pire scénario possible. Radis. Mais c'est en plus radis avec Carianne, t'es vraiment plus radis ou même fenouille. Ah, radis. Et. Radis avec Carianne. Il y a quelque chose de raffiné en toi. Il y a quelque chose de raffiné en toi qui ne peut pas me permettre de te donner le costume de patate. Je pense que j'irai. Bien sûr, avec mon némésis de toujours. Ça aurait pas pu moins bien tomber. Toi gagnant, moi perdant. C'est la pire affaire. On aurait pu gagner les deux. On aurait pu. Oui, on aurait pu. On aurait pu. Oh, mais non, vous auriez pas pu. Il y a juste un crayon, un gagnant. Alors, Raph, mes chers amis, va aller sur le coin des rues, c'est ça, ben Saint-Zotique et Vio pour aller faire la patate et distribuer des bonnes patates aux citoyens montréalais. Patate Faël. Et pour être gentil, je dois te dire que tu remportes le collant que tu peux te mettre proche du chest. Hey, mais là, si j'avais su qu'il y avait victorieux. Un collant, j'aurais joué serait... plus fort! Ouais, exact. Est-ce possible? Bon, ben, j'y vais. Patate? Voulez-vous une patate? Voulez-vous une patate? Vous donnez une comme ça. Rien du tout. C'est gratuit. Free the potato! Et vous mettre ça dans votre air fryer. Merci. Oh, oh, potato! Bravo! Merci! Oh! Petite patate aussi. La patate victorieuse!
C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, oh ouais! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!